Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en montagne, on va essayer d'aller observer le bouquetin. Donc normalement on est quasiment sûr de les voir. Donc là on est parti pour un bon 3 heures de marche. Je suis avec mon père, hein, il connaît bien le lieu et puis il va me filer un coup de main pour les prises vidéo, tout ça. On va bivouaquer en haut et puis lever de soleil demain et en espérant pouvoir faire 2-3 prises de vue bien sympas. On vient juste d'arriver à un premier col. Voilà, il nous reste encore un petit peu de montée pour arriver jusque tout là-haut. Fait un petit bout de campement sur la seule petite portion de plat où il n'y a pas trop de pierres. Ça attaque est assez menaçant en face, donc on a préféré monter la tente tout de suite pour être à l'abri au cas où. On va essayer de monter en crête et normalement les bouquetins sont là-haut en crête ou de l'autre côté. Rouge que les mâles, donc il faudrait pas les frayer. Elle est juste là. Hop. Il n'y avait pas qu'une étagne, elle était avec des petits. Et un autre bouquetin, un jeune mâle, je pense. On prend la grêle sévère. Pour l'instant, il n'y a pas d'orage. C'est en train de se calmer un peu, mais on s'est vraiment fait rincer de grêle. On est arrivé au sommet, il y a un petit rayon de soleil. Malheureusement, il n'y a pas les bouquetins. J'en profitais pour faire quelques photos de paysage, parce que c'est quand même assez sympa. Maintenant, on va essayer de retrouver un troupeau de vieux mâles, ça serait vraiment bien. C'est les plus impressionnants à observer. Bon, c'est bon, on a enfin trouvé un joli troupeau de mâles. Là pour l'instant on va dire que j'assure un peu les plans, j'en fais quelques-uns d'ici pour être sûr, on sait jamais. Et puis après j'essaierai de les approcher. En général c'est vraiment pas farouche, hein. On peut vraiment les approcher d'assez près. Et dire que le bouquetin a failli disparaître. Cet animal très peu farouche a beaucoup souffert de la chasse dans les années passées. À un tel point qu'au milieu du XXe siècle, le nombre de bouquetins en France se comptait uniquement en dizaines. Quelques individus sont venus naturellement d'Italie pour renforcer la petite population locale de la vallée de la Maurienne. Puis, le parc de la Vanoise a été créé et de nombreux bouquetins ont été réintroduits. Ils sont désormais protégés et leur nombre s'élève à plus de 10 000 individus en France. Les bouquetins vivent généralement en hardes, nettement séparés, mâles adultes d'un côté, femelles cabri et jeunes de l'autre. On les retrouve en été en altitude, souvent dans les faces rocheuses exposées sud. En hiver, ils descendent en vallée jusqu'aux abords des habitations. Le bouquetin est un animal calme, ses mouvements sont toujours effectués au ralenti, sans hâte ni précipitation. Malgré son lourd poids, il s'agit d'un extraordinaire grimpeur, beaucoup plus à l'aise sur le rocher que le chamois.
Le bouquetin peut sauter avec une grande agilité pour franchir les obstacles. On les voit régulièrement sauter des ruisseaux de plus de 3 mètres sans même prendre de l'élan. Les jeunes mâles consacrent beaucoup de temps à des joutes qui leur permettent de se situer au sein de la harde. Les boucs adultes effectuent également ces combats qui leur permettent d'acquérir un rang hiérarchique élevé. Au contraire, par leur discrétion, les femelles semblent préférer la survie de leur descendance. Je les ai observés pendant bien 2 heures, si c'est pas plus. Par contre là on a vraiment l'orage qui se rapproche, c'est complètement noir là-bas en face. On risque d'avoir du mal à passer à côté toute la nuit, et on va finir par prendre un peu la pluie je pense, et l'orage. Descendre, on en a pour à mon avis une bonne petite heure de descente. Il y a quand même 1000 mètres de dénivelé négatif, donc ça en fait un petit peu quand même. Bon, on vient d'arriver sur la piste, encore quelques kilomètres et on va arriver à la voiture. Donc cette vidéo va se terminer ici. Si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup pour mon référencement et ça permet de me faire connaître un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner, par la suite je vais mettre régulièrement des vidéos en ligne. Et à bientôt !